Heureux matin, ah mon cul, quand Quercy Blanc, quand la nature est généreuse, les années, les bonnes années, en septembre, le coq vous le dit, nous pouvons déguster des figues. Les figues légèrement fanées, naturellement, celles qui ont bien séché. Voilà. Certains prennent leur petit déjeuner avec de la bière et du pastis, d'autres avec des figues. Et le coq, toujours là pour commenter l'actualité de mon cuc, naturellement. Voilà. Les figues ici sont petites et Bordeaux. Je passe à côté où elles sont petites et blanches, des grises de Saint-Jean. Comme vient de vous le dire également ce coq. Voilà, le matin, les humains picorent aux différents arbres. Hier, j'en ai cueilli pour mettre au congélateur, donc il y en a forcément moins. Et je cherche un peu. Beaucoup, après, tombent, sont justement pour ce coq. Mais voilà, j'en ai trouvé une derrière bien sèche. Car oui, une figue doit être bien sèche. J'ai failli tomber sur cet arbre. Est-ce que je vais trouver quelque chose? J'ai pris aussi hier et je sais pas. Oui. En haut, au retour, quand je n'aurai plus la caméra, car là, je vais vous emmener près du d'un pommier. Petite pause. Et près d'un figuier aux figues plus grosses et plus foncées. Là, c'est pareil. Hier, j'ai pris celle du bas pour les mettre au congélateur. Il va me falloir atteindre celle un peu plus haute si je veux pas que la pluie les fasse tomber. Donc, à côté des pommes. Et la pomme, actuellement, celle-là, et oui, elle a été attaquée. On peut la jeter. Donc, ce sera pour ces bêtes. Vous avez entendu. Et il faut prendre une pomme qui est bien sucrée car elle a été attaquée. Donc voilà, je prends celle-là. En même temps, il faut faire le tour des arbres pour voir ce qui s'est gâché et pourtant chaque jour. Et oui, encore une gâchée. C'est terrible. Il faudrait tuer tous ces insectes et mettre des pesticides partout. Non, voilà, celle-là est bien entamée. Je pense que je vais leur laisser pour leur travail. Et voilà, j'ai un coupable. Et oui, on peut dire qu'il faut partager, que nos pommes doivent également servir à nourrir tous ces insectes qui les pollinisent. Une grosse bête sur une petite pomme qui la déguste. Voilà, c'était moi normalement que vous deviez voir croquer une pomme. Et finalement, on en arrive à dire qu'il faut partager avec la nature. Vous voyez, tout doucement, la pomme sera mangée si je ne la prends pas. Mais bon, il m'en reste d'autres. Oui. Je leur laisse également. Voilà. Je vais couper cette pomme et vous allez voir comment une pomme qui vient juste d'être cueillie, c'est quand même autre chose qu'une pomme qui a passé des semaines dans une chambre froide et qui est sortie. Attention, je tiens la caméra, je prends le couteau et voilà. C'est quand même, je sais pas si vous voyez la différence, qu'elle est juteuse. Ah, même sur le couteau, cette pomme est juteuse. Cette pomme sera délicieuse, vous voyez.
Oui, je pourrais peut-être manger la peau, mais aucun pesticide chez moi. Mais malheureusement, à mon cul cancer si blanc, il n'est pas interdit d'utiliser les produits assassins près des habitations. Eh oui, il faudrait peut-être, monsieur le maire, y penser. Car voilà, cette pomme a sûrement subi un tout petit peu de pesticides à cause d'un agriculteur pas loin. Et comme on ne lui interdit pas, pourquoi il ne ferait pas? Voilà, c'est comme pour le passage près des habitations. Mais là, il paraît que l'adjoint n'a pas le temps. Ou n'a pas envie. Ou je sais pas. Bref. La vie a mon cul cancer si blanc avec des figues, des pommes, début septembre 2018, et des difficultés municipales, mais ça c'est autre chose.